Je vous le disais au sommaire de cette édition d'actualité, tous les bars de la commune de Mandalungwa sont menacés de déguerpissement au motif que certaines installations ne sont pas du tout hygiéniques pour les clients. Reportage. Pour lutter contre l'insalubrité dans sa municipalité, le bourgmestre de la commune de Mandalungwa lance la première phase d'assainissement des bars et terrasses. Ils doivent se conformer aux plans administratifs sanitaires et le délai leur accordé est de 15 jours. Du côté de tenanciers, le Zin trouve que l'importance est d'assainir d'abord les places publiques, ce qui relève de la compétence de l'État. S'il faudrait commencer par la salubrité, mais il faudrait d'abord commencer par les maisons, les avenues, les artères, les caniveaux et tout. Donc pour dire terrasse, ben non, je dirais non. Je dirais non. Parce que si on est moins propre, on n'aura pas de clients. Dans les yeux, moi j'apprécie. C'est bon. Pour la ville, ils appellent d'abord propre. Dans d'autres terrasses, l'installation est la saleté, mais nous, on a besoin de circuler dans le niveau. C'est pas bon. D'autres, par contre, pensent que pour préserver la morale et l'éthique, il serait mieux de fermer certains débits de boissons. Oui, nous sommes au courant, mais c'est juste ces 15 jours que nous a donné. Hein. 15 jours, bon. On ne sait pas, dans chaque coin de l'avenir, on a quand même des enfants, on a des parents. Et il y a vraiment des histoires qui passent vraiment. On fait râler un peu, hein, tu vois. On aurait quand même avoir de l'espace parce que ce n'est pas une salle de. Comment je peux dire? Ce n'est pas Los Angeles ou Las Vegas où tout le monde paye. C'est quand même une commune. Auparavant, on nous appelait les communes des évolués, les intellos. Mais apparemment, si quelqu'un a besoin de s'amuser, il vise toujours Bandal. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces tenanciers n'ont que 2 semaines pour se conformer à la décision de l'autorité publique.